adjoint. Est-ce que vous pouvez nous dire, après 5 années d'études, dont une année de médecine, à combien vous êtes payé quand vous démarrez dans la profession? En sortant de l'école, on démarre à 1007, en comptant les nuits, les week-ends, les jours fériés. On a 5 ans d'études, un bac plus 5. Voilà. Pas de prime d'urgence, que des CDD pendant 5 ans au CHU de Montpellier. Est-ce que la précarité, quoi. Et est-ce que vous êtes prise en compte dans les augmentations de salaire qu'a annoncé le ministre de la Santé pour octobre 2021? Non, non, aucune revalorisation des salaires pour les sages-femmes. Rien du tout. Et donc là aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez en termes de salaire justement après 5 ans d'études? Une reconnaissance. Voilà, tout simplement. Une augmentation face à notre diplôme, tout simplement déjà, avec médecine, concours. Et de carrière, 2,5 fois le SMIG, de 4,5 fois en fin de carrière. Voilà. Ce que réclament les sages-femmes, c'est de toucher 2,5 fois le SMIC en début de carrière et 4,5 fois à la fin de carrière. C'est la juste reconnaissance pour 5 ans de formation, mais en plus un travail difficile, des horaires décalés, les week-ends, la nuit, enfin sages-femmes quoi. Voilà. Tout le monde comprend qu'on est mobilisé tout le temps. Et c'est le minimum de reconnaissance. C'est la journée nationale des sages-femmes, ça fait 15 ans mondial des sages-femmes. Et bien voilà, c'est aujourd'hui qu'elles doivent se faire entendre et c'est pour ça qu'elles doivent être soutenues par tout le monde. Bravo. Merci à vous. Merci. Bravo. Entendez-nous. Oui. Oui. Oui.